C'est à bord de cette embarcation qu'il tente de traverser l'océan Atlantique. À 71 ans, cet ancien militaire s'est lancé dans un pari fou, se faire la transat à tonneau, portée uniquement par la force des courants et du vent. Parti des îles Canaries le 26 septembre dernier, le Français se trouve désormais au large des côtes africaines, destination les Caraïbes. Être le chef de passager de l'océan, porté par les vents et courants, on n'a jamais été fait. Parce que ça fait 26 jours que je suis parti. Mon tonneau passe très bien. L'autre jour, j'ai pu me baigner. J'avais à 300 mètres de moi une baleine, une tortue qui est venue me voir. Par contre, on a enlevé ce que j'ai toujours pas rencontré, c'est rien. Bon, j'ai de quoi me distraire, j'ai de quoi lire, j'ai de quoi écrire, j'ai fait de la musique. J'ai un envie de temps à faire bientôt un mois et tout ça serait bien, le moral est bon. Voilà. À bord de son embarcation d'environ 3 mètres sur 2, le confort est spartiate, mais l'expérience se veut avant tout scientifique. Le navigateur est en effet chargé de larguer des balises pour étudier l'océan. Et pour tenter d'apercevoir Jean-Jacques Savin au large de la Guadeloupe, le rendez-vous est pris, mais pas avant le mois d'avril prochain.